Peggy 16. Bonjour tout le monde! Salut à tous! Bienvenue les amis sur la chaîne Aerol des Trotmanies pour un nouveau test! Et aujourd'hui on va tester pour vous Outward. Eh oui, Outward, un jeu de rôle qu'on a testé, qu'on a découvert avec vous en ligne sur YouTube pour aller voir nos vidéos. Et là on va donner notre avis, oui. N'est-ce pas Trotmanies? C'est ça, on va vous dire un petit peu les points positifs, les points négatifs, ce qui nous a plu dans l'aventure, ce qui nous a un peu moins plu. Et on va faire un petit récapitulatif de tout ça avec vous maintenant. Exactement, et donc on peut dire que c'est un jeu sorti en 2019 dans un studio canadien. C'est pas une énorme licence. On peut jouer en solo ou en coopération. C'est ce qu'on a fait. Ouais, Et ça démarre tout de suite. Alors, on démarre l'aventure comme ça, comme vous voyez tout là. Nu. Hein, tout nu. Assez ouais, classique vrai, dans les RPG. Et les jeux de survie surtout. et c'est vrai que... Et là on démarre tout de suite sur une île, voilà comme ça. Et on doit un peu se démerder, on voit qu'on a faim, on voit qu'on a soif, on a froid, on a chaud. On doit gérer son repos. On doit gérer son repos, exactement. Donc là on doit gérer son temps de sommeil, son temps de garde quand on est dans la nature. Et on doit faire réparer ses armes. Hein. Donc ça c'est un peu un truc spécial. Ouais. Ah, la garde, les embuscades. Ouais, la garde, la réparation en dormant, oui, c'est un peu spécial. Et nous arrivons, donc l'histoire est assez simple. Ouais. Hein. Vas-y, je t'en prie. C'est très bref, on arrive sur une île, on nous dit qu'on a fait une petite connerie, on doit réparer nos erreurs, et pour ça, on doit récupérer soit de l'argent, soit pacte de sang, un truc comme ça. Une dette de sang, de oui, cloche, on doit réparer une dette. Ouais, une dette de sang, soit. Ça. Une faveur tribale, voilà, on doit récupérer une faveur tribale. Oh oui, c'est ça. Pour un petit peu se faire pardonner, parce qu'à cause de nous, il y a eu des morts. Et donc, voilà, tout débute autour de cette recherche d'argent. Et alors, on explore pour savoir un petit peu comment on va pouvoir retrouver autant de pièces d'or ou la fameuse faveur tribale. Ouais. Parce que sinon, on perd notre maison. Voilà. Et ça, c'est quand même un point assez important dans le jeu, de garder notre maison pour toute l'aventure. Ouais, puisqu'on l'a dit, c'est là que se trouve une espèce de gros inventaire où on peut stocker du matos. Sans ça, franchement, l'aventure est vraiment mal commencée. Oui, ça serait difficile puisqu'on a un inventaire illimité dans la maison. Et pas sur nous du tout. Exact. Alors, on peut cuisiner, hein. On peut faire à manger, on peut fabriquer des armes, on peut, voilà, il y a quand même pas mal de craft hein, dans ce jeu. Hein, au départ, c'est ce qui fait vraiment le tout du jeu pour avoir les sous aussi, c'est de crafter, de vendre, de racheter des petites choses. Voilà, ça c'est vraiment une partie importante du jeu. Exact. Hein, ce crafting. Le moindre objet trouvé doit être utilisé, soit récupéré, soit revendu, parce que c'est vraiment très très dur. Ça c'est peut-être une caractéristique principale du jeu, c'est son aspect réaliste. C'est okay. Ça, ouais. On nous laisse tout seul. Hein. Ah oui, vraiment. Il y a peu d'informations didacticielles, on se laisse se débrouiller quoi. Ah oui, et une première chose c'est qu'on ne nous voit pas sur la map. Ah oui. Hein. Donc ça c'est vraiment très compliqué parce qu'on doit utiliser notre boussole, vous voyez ici au-dessus, hein, la boussole sud, est, ouest, nord. Eh ben on doit l'utiliser puisqu'on n'apparaît pas sur la carte. Ouais. Donc ça c'est vraiment un peu perturbant au départ et ça rend une difficulté supplémentaire au jeu. Hein. Exact. Alors il y a bien sûr les cycles nuit, jour, hein, comme beaucoup de jeux. Et il y a tout ce qui est endurance, il y a tout ce qui est... voilà, crafting, etc., ça je l'ai déjà dit. Et on démarre cette aventure, on parcourt, on explore. Hein. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de ça hein, au départ. On ne sait pas où on va, hein. C'est peut-être ce qui manquerait, c'est un peu cette ligne de conduite. Hein. Maintenant, il y en a qui adorent, hein, il y en a qui détestent. Nous, on était un peu partagés. Hein. Oui, en fait, au niveau exploration, c'est sympa, mais il manquait quelque chose derrière, dans le sens où... il fallait faire énormément d'allers-retours et les distances sont longues à parcourir. Donc il n'y a aucun système de téléportation. Parfois on s'en plaint et on a trop dans certains jeux
où on perd complètement l'aspect réaliste du jeu. Mais là, il y en a vraiment trop. Ça prend des plombs pour ramener du loot. On marche. En plus, on doit ramener le loot au village obligatoirement parce qu'il n'y a pas beaucoup de marchands sur la route. Et oh là là. Enfin. Ouais, ça, c'est vrai que c'est une partie assez lourde du jeu. Hein, je dirais assez lourde. Les combats en soi sont assez simpliste, hein. Il n'y a pas de grandes actions à faire pour tuer des mobs, mais voilà, c'est assez lent, c'est assez lourd aussi, mais c'est quand même une question esquive, attaque, hein. c'est vraiment ça, hein, tout le temps. Ce qui m'a un peu déplu, c'est l'aspect un peu rigide du personnage. Au niveau maniabilité, c'est pas facile. Ah oui, c'est vrai. Ici, on voit les 4 maps, hein, 4 mondes. Voilà, le monde d'Outward se divise en 4 parties. Et on commence ici à gauche chez Chernosis. Et puis on peut visiter. Mais voilà, on est totalement libre d'aller où on veut après. Et pour évoluer dans le scénario. Ouais, ce qu'il faut dire, c'est que le scénario n'est pas soutenu. Donc on a. Ça, c'est un petit regret. On n'a pas l'envie d'aller à la suite. C'est pas comme si on avait une mission principale, genre sauver le monde. Non, c'est. Voilà, il y a le monde. Et. Faites-en ce que vous c'est voulez. C'est ça, c'est vraiment ce qui nous a posé souci à ce jeu, parce que je pense que c'est un jeu très prometteur, malgré un graphisme, ça je suis d'accord, hein, un graphisme rébitoire très vieillot, mais sinon il y avait vraiment cette touche vraiment d'exploration qui était magnifique, avec du mana, avec devenir sorcier, c'est très, très, très lent, mais très, très réaliste et très bien fait, je trouve. Mais maintenant, voilà, toute cette partie exploration infinie, sans une petite ligne de conduite, c'est très compliqué pour nous. Et on avoue, hein, on n'a pas été au bout. Non, hein, pas du tout. On a fait 2 mondes, je pense. On a fait 2 maps. Donc, ce qu'il faut dire sur les mondes, peut-être, c'est qu'il y a du relief. Il y a une topographie différente, un climat différent, un peu comme dans Zelda. C'est ça. Et donc, différentes choses à gérer, et les mobs sont différents aussi, donc il va falloir trouver d'autres ingrédients qu'on n'a pas spécialement stockés au début, donc il faut recommencer tout l'ensemble de recherche d'items et de stockage. Ah oui, c'est ça. Extrêmement. Vous partez dans un donjon, vous avez fait de l'alchimie pour vous faire des potions, vous mourrez, vous perdez tout. Et ben il faut tout recrafter pendant des jours pour refaire ce donjon. Alors c'est là encore un petit point aussi compliqué, c'est qu'il est hyper compliqué, hein, quand même, très difficile, hein. La mort est très punitive. Non, la mort en soi n'est pas punitive, puisqu'on peut récupérer notre sac la plupart du temps complet. Ouais. Mais voilà, les mobs sont très durs, hein. c'est des batailles, des combats très lents. Voilà, on est mort extrêmement plein de fois. Oui, c'est vrai. C'est vrai que le jeu est très très compliqué au niveau des combats. Et la maniabilité n'aide pas non plus. Hein. C'est ça, c'est pas un beat and ball non plus. Hein, mais non. Voilà, c'est entre un Dark Souls et même Dark Souls, je trouve qu'il y a toute cette action et des choses à faire pour pouvoir contrer des ennemis. Ici, vraiment, c'est mal foutu quand même. Hein. C'est un peu mal foutu. Hein. Je pense qu'ils ont voulu reprendre un petit peu l'idée et la philosophie Skyrim, mais qu'ils ont mal géré au niveau scénaristique. Il n'y a pas de ligne, pas de trame. Tout est bien sous-titré par contre et tout est bien en français. Ah, parce que des fois on a. On a déjà eu des surprises. Même s'ils disent pas tout oralement, mais tout en tout cas est sous-titré. Une partie oralement, pas tout. Pas tout, oui. C'est un peu bizarre aussi. Voilà, de l'alchimie, on voit ici les potions. Voilà, il y a vraiment tout ça. Alors je pense aussi le climat. Hein, ils ont fait le climat qui est sympa parce qu'il neige à un moment donné. Hein, dans le jeu, il y a de la neige. Il faut se sauver de quelque chose de plus chaud si on veut pas mourir. On attrape des rhumes, hein, tant de manière. Ah, misère. Ça, c'est un point. J'ai bien aimé ça. Ça, c'est un point. C'est agaçant dans le jeu, mais j'ai bien aimé l'idée de rhume. Parce qu'on a froid, qu'il pleut. Ça, c'est chouette. Ouais. Et la garde aussi, l'idée de garde, et que dans certains endroits, c'est plus compliqué que dans d'autres. Ça, c'est chouette. Ouais. Et toutes les imprégnations des armes je trouve ça sympa. Parce que chaque ennemi, enfin la plupart des ennemis ont des faiblesses. Hein, des faiblesses. Et il faut imprégner son arme de feu, de glace, de spectre, etc. Pour pouvoir les combattre plus facilement. Mais voilà, tout ça demandait simplement trop d'investissement, trop de temps. Et c'est ce qui a fait sa perte pour nous. Je suis désolé. On a été perdus. Mais le problème, c'est que les ingrédients sont difficiles à trouver, sont rares
pour certains. Hein, je me souviens le va là, de Gabay. Oh. Si on avait pu à un moment donné le créer, le crafter à certains niveaux du scénario, ok, parce qu'on en aura plus besoin et tout ça. Mais il n'y a pas eu d'évolution à ce niveau-là. Pas eu d'évolution au niveau des compétences. Il y a un truc qui... Allez, qui ne suit pas. Quoi. Oui, il y a quelque chose qui... C'était vraiment... voilà, il y a quelque chose qui était trop peu. Et c'est dommage parce qu'on a l'impression des fois qu'on n'avançait plus. Alors, les donjons sont cachés un peu partout. Hein. Ici, on est dans un donjon. Ça, les donjons valent le coup hein, d'être découverts, puisque c'est là qu'on va crafter le plus de choses et découvrir plein d'armes un peu plus fortes, etc. Des ennemis aussi, malheureusement, plus durs aussi. Et on a trouvé aussi des quêtes, hein, des petites quêtes incorporées dans certains donjons. Ouais. Pour voilà, ici, je vais voir, je crois, le monsieur Squelette là, qui nous avait demandé de récupérer ses membres. C'était chouette, voilà. Il y a eu plein de belles idées. En fait, je suis très déçu de ne pas avoir été au bout. Ça, c'est vrai, parce que je trouvais vraiment ces pièges aussi à placer, qu'on va voir juste après, les pièges au sol. J'adorais, mais je trouve qu'il y avait... Toi, tu avais l'arc à flèche, c'est quand même... Voilà, il y a quand même beaucoup de multitudes de façons de les combattre. Mais alors, cette difficulté d'avancer dans le scénario, c'est vraiment ce qui m'a déçu le plus dans le jeu. Il y aurait eu des déplacements instantanés entre villages au minimum. Déjà, au minimum. Ouais. Parce que les villages étaient très éloignés. Hein. Oh, mais t'as un village dans chaque map. Donc t'imagines, et vous imaginez pas, la map, il fallait 20 minutes pour la traverser. Hein. Et quand on met des objets dans un endroit et quoi. Alors là, c'est pas à nous, je vous assure, je mettrai les liens des personnes qui ont fait ces boss, mais voilà, c'est pour vous montrer jusqu'où ce que ça peut aller ce jeu. Il y a des pouvoirs à acheter, il y a des armures à acheter, mais tout coûte très cher, tout demande vraiment beaucoup de temps d'investissement dans le jeu. Et sinon, voyez, ça c'est un boss qui a l'air sympa à découvrir, à tuer, et vous allez en avoir d'autres, hein. Nous on s'est fait un dernier boss, la biche là, c'est pas très loin dans le jeu, la mais biche. Elle était déjà très dure, hein. La biche de feu. La biche de feu. La biche de feu. Ouais. Et en fait, voilà. Les donjons servaient, c'était pas vraiment des donjons, c'était vraiment ce qu'il fallait faire en fait. Parce que oui, généralement oui, les donjons c'est des petits suppléments, des petits endroits. Ouais mais ici il faut faire pour pouvoir... Ouais. Ouais, mais il fallait vraiment pour pouvoir se stuffer le plus possible, pour pouvoir avancer dans des villes plus loin. Maintenant, voilà, c'était trop lourd, trop long, trop lourd. Voilà la biche de feu qu'on a presque réussi à avoir, mais un donjon très sympa à découvrir, ah oui, hein, avec des petites téléportations et tout ça. Hein. La biche infernale, tu... Oui, la biche infernale. Oh, misère, celle-là. Mais voilà... Et ils étaient deux, en plus il y avait un petit bonhomme aussi là. Bonhomme de feu, très difficile à vaincre. Mais le donjon, super génial à découvrir aussi, mais toujours le stress pour rentrer. Est-ce qu'on va mourir en 2 secondes ou pas? Est-ce qu'on reviendra vivant? Est-ce qu'on va tout faire? Voilà. Cette Outward, on lui donne laquelle notre demi? Allez, vas-y. Moi. On verra si c'est la même que moi. Allez, 15 sur 20. Mais il faut de l'investissement. Là, nous, on a mis 30 heures. Et on est arrivé à la moitié de la deuxième map. Donc, faites le compte. Moi, j'aurais mis quand même... J'aurais été plus 14 sur 20. Moi. Mais oui, voilà. Parce que, voilà, graphiquement, il est un peu dépassé. Oui, même si il offre beaucoup de choses. Mais il manquait cette chose. Disons, je suis un nostalgique de Skyrim. J'attends la suite. C'est vrai. Ah oui, t'aimais bien ça. Ah, ça m'a donné espoir. Voilà. C'est vrai. Voilà, merci à tous. Ciao. N'hésitez pas à commenter. Ciao.